Hello à tous, ici Gaius de Full Game Record, c'est reparti pour un nouvel épisode de Deathloop. On va essayer d'aller récupérer un module, celui de FIA, module KO, qui va nous permettre de faire plus de dégâts et avoir plus d'endurance. Donc c'est parti. J'imagine que c'est le moment où les autres cultes sont devenus curieux et ont posé des questions. En général, oui. C'est ce que tu es supposé faire. Ouais, mais j'ai pas besoin de toi cette fois. Désolé. Je te manquerai quand je serai plus là. Ça m'étonnerait. Alors, des armes que j'ai récupérées donc dans les épisodes précédents, j'en ai infusé quelques-unes, dont celle-ci. Qui permet de faire plus de dégâts que la dernière balle, donc assez sympathique. Et je pars toujours avec deux armes pour essayer de glaner une troisième arme. Après on est toujours sur les mêmes modules, hein. J'ai celui-ci qui est pas mal. Regardez, hein. En tuant celle-là, les deux vont mourir. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais non, c'est pas Colt, et même si c'était Colt. Non. Elle se vide. Non, j'ai pas envie qu'elle se vide. Bon, c'est pas grave. On va la laisser remonter, la jauge. Voilà. Oh, il y a un truc à récupérer là. Ok, elle m'a pas vu. Donc ce module, hein, Nexus, qui permet de faire des dégâts à plusieurs ennemis en même temps. Super intéressant. Mais vraiment super intéressant. D'ailleurs, je l'utilise à chacune de mes runs. Il y a aussi Invisibilité qui est pas mal en l'améliorant. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Toi, tu vas mourir. Et toi aussi, tu vas mourir. Je peux faire ça, par exemple. Faire ça, on peut l'éliminer facilement. Voilà, nickel. Boum. Donc il est KO. Donc Fia est par là pour aller récupérer son module. Le module du KO. Alors j'ai toujours pas réussi à ouvrir ça. Je sais pas exactement comment faire. J'ai pas trouvé le code. Pourtant, dans chaque épisode, je fouille bien toute la map. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Écrase leurs jouets, d'accord. Donc, on continue notre ascension. Voyons voir ce qu'on a. Lui. Ok, Fia est dedans. Elle est dans le bunker. Il risquerait de me voir. C'est dommage, j'ai pas une rapière. J'aurais bien voulu prendre une rapière, mais j'ai fait un peu l'idiot. Il y a celui-là. Ok, ouais, ils sont nombreux. Voilà, les trois tombent. Non, toi. Il me tire d'où là? Ok, je le vois. On se barre un petit peu. Hop. Alors, c'est dommage, j'ai pas de rapière. Sinon je l'aurais eu de loin, mais on va essayer avec ça. Voilà. Tape fort, elle, hein. Elle tape fort. Ok, elle est tombée. Il y a quelque chose ici, on va aller récupérer. Du résidium. Très important, le résidium, bien sûr, pour upgrader ses armes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des breloques,
Des breloques. On pourra soit les infuser, soit les détruire pour récupérer du résidium. On a une breloque ici. Ok, il y a des gens en haut. On peut peut-être entrer par là. Là, il y a possibilité d'entrer par là, par le hangar. Mais je vais pas passer par là parce que on va se retrouver tout de suite acculé par énormément d'adversaires. Je vais essayer de passer par en haut. Alors là, je vais juste récupérer. Je vais voir s'il n'y a pas du résidium qui traîne ici. Ils vont me voir d'en haut. Ouais, il y a du résidium là, je l'entends. On va essayer de monter. Ah, attendez, on va essayer de se faire. Ah voilà, il est là. Voilà, impeccable. On va faire ça. Ok. Ensuite, on va passer là-dessus. Mais si, c'est Colt, mais si. Est-ce qu'on peut monter par là? Je pense que oui. Il y a une tourelle, faut faire gaffe. Voilà, nickel. On va pirater la tourelle. Impeccable, il y en a un autre là-bas. Et on va rentrer par là, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Il y a une rapière, on va la prendre. Donc j'en ai un, deux, et la rapière. Bon, c'est une rapière niveau standard, hein, niveau 1, donc elle risque de s'enrayer, mais bon, c'est pas grave. Je regarde un petit peu si on n'a rien oublié. Il y a des mines. Donc j'ai un module qui permet de désactiver les mines, hein, vous les trouverez directement sur les différents persos. Enfin, sur les différents PNJ, quoi. Et les mobs. Regardez, là, par exemple, hop. Je peux les pirater. Il y en a un là, et un là. Ok, pour l'instant, on va pas y aller, on a pas grand-chose à faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a à faire ici. Je vais me mettre là. Alors, on a le module, on a volé le module donc du chaos, que je n'ai pas. On va aussi, dans le même temps, assassiner Fia, on va du moins essayer. Comme ça, on va récupérer un petit peu de résidium. Et on a à peu près, Fia a une sorte de réacteur instable dans son bunker. Elle serait capable de faire sauter toute l'île pour protéger ses secrets, c'est le cas. Fia conserve les plans de son réacteur dans l'atelier de son bunker. Je pourrais m'en servir pour désamorcer l'appareil. Donc on va aller faire ça, comme ça on peut au moins désactiver si jamais elle se met à le faire péter. Un standard de livraison se trouve... Ok, donc ça c'est juste la livraison, on s'en fout un petit peu. Donc on va essayer de rentrer par là. Et là faut faire très attention. Là faut faire très 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 attention parce que si elle nous voit... Et qu'elle fait péter le réacteur, ben on est obligé de recommencer la journée à partir de zéro. Donc là c'est quoi? C'est un suppresseur de champ, on va pas l'utiliser. Oh, mitraillette, non, on va la laisser comme ça. Ok, les plans, on va aller récupérer les plans. Donc là, on va descendre par là. Les plans sont là, d'accord. On va récupérer ça aussi. Impeccable. On va essayer de faire attention là. Donc Fia est par là. Il faut surtout pas qu'elle nous voit. Du bleu. Non, ça va. Du rouge, du bleu, du jaune, c'est peut-être les codes des câbles, je sais pas. Alors ça, on va pirater ça. Alors j'ai pas pris de vie, ça a été une grosse erreur là que j'ai faite. Il y en a un autre là-bas. On peut rentrer là-dedans pour aller récupérer les plans. Ensuite il y a une batterie à mettre ici, d'accord.
On peut le faire, hein. On peut facilement... Non, 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 non. Ouah, je l'ai raté. Ok, on l'a eu. Ouais, faut faire attention là. Allez. Je l'ai raté. Dommage. Voilà, là c'est tout bon. Ok. On les a eus. On va récupérer un petit peu des munitions, tout ça. Et là, voyons voir. Allez, un peu de vie, c'est sympa là. Pas besoin de munitions. On a un chargeur, parfait. Ah, le plan. Alors, on a le verre en premier. Le verre en premier, le bleu en deuxième. Donc vert, bleu, rouge, jaune. Ok, ça c'est bon. N'exagère pas, Colt. Voilà. On peut la lâcher. On va prendre la batterie là. On va la charger. Donc, vert, bleu, rouge, jaune. Ça, il faut pas que je l'oublie. Je vais le marquer quelque part. Au cas où. Donc, vert, bleu, rouge. Et jaune, VBRJ. Faire comme ça. Voilà, comme ça, si elle fait sauter le réacteur, au moins on pourra l'en empêcher. Impeccable, on a récupéré ça. On va faire comme ça. On va aller là, on va récupérer un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Nickel. Il y a ça aussi à récupérer, une breloque. Exemplaire. Ok, on récupère les breloques, tout ça c'est important. Alors là c'est ce que je vous disais, si on était venu par là par exemple, si on avait ouvert ça, ben on serait directement du côté du... Enfin de l'autre côté quoi. Et on serait fait avoir parce qu'on serait tombé directement sur eux. Alors que là, on a pris un espèce de raccourci. On va récupérer le résidium là encore. On est plutôt à 7000, c'est pas mal. Pareil, on va pirater ça. Comme ça, c'est sûr, on sait pas avoir. On récupère un peu de vie. Une radio piratable. Ah, j'ai eu peur. Et je vais vous montrer le passage en fait à effectuer. Alors là normalement la porte s'ouvre. Faire très attention. Alors 6-7-2-4. Hop. On va marquer le code. Il faut se souvenir de tout en fait dans ce jeu. Alors 6-7-2-4. C'est peut-être le code d'un coffre ou un truc comme ça. On va regarder. Hydravion. C'est peut-être aussi l'espèce de delivery, je sais pas, on va voir. Alors, comment le ding-dong fait gling-gling? Alors... Ouais, c'est le livreur, je pense que c'est ça. Et vous ne voulez pas que je vous donne... Alors, MIZ, pas que je veuille vous apprendre votre bise, rien, ni rien, mais c'est quoi ça? J'ai installé tous ces trucs aux quatre coins de l'île. Mise en place des livraisons quotidiennes entre les quartiers principaux
et tester la compatibilité des machines avec chaque type d'équipement du programme Eon. J'ai passé des publicités en boucle pendant des mois. Et vous voulez que je ne donne pas de code ? Je comprends qu'on ne fait pas vraiment d'argent ici, mais il y a zéro entretien. Ce truc ne s'usera jamais, c'est le but. Alors pourquoi en limiter les utilisateurs ? Enfin bon, c'est juste une idée. Très bien, donc on vient d'avoir le code. Les centres de livraison transportent des objets entre les quartiers, mais il faut un code pour les utiliser. Je pense que c'est celui-ci, enfin du moins je l'espère. Là on a quoi ? On a des clous. Du résidium, pareil. Alors là c'est quoi là ? Ok. C'est l'entrée de la base. Faut surtout pas aller par là. Surtout pas. Je pense qu'on a tout vu ici. Ouais c'est ça, hein, c'est les machines. Formidable. Bah écoutez, au début d'épisode, je me demandais comment j'allais faire pour récupérer ce qu'il y avait là-dedans, mais le destin a fait que j'ai réussi à avoir le code. Donc là, la fille avec les matos. Alors voilà le réacteur, et Fia est ici. Il y a un mec là, j'aimerais bien le buter avant d'aller plus loin, en espérant que personne ne me voit. Hop 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 hop, il y a full là, il y a full. Il y a un autre passage, je peux vous le montrer. Lui par contre, il faut que je lui brouille son système de communication parce que sinon... Efia est en haut... Alors attendez, je réfléchis quelques secondes. Est-ce que je vais là-bas ou est-ce que... Je désactive d'abord ça, je ne sais pas, on va voir. Écoutez ce qu'on va faire, je vais vous montrer le chemin en fait que j'aime bien emprunter moi. Donc le chemin que j'aime bien emprunter, il est là. On fait bim. Il y a quoi là? Il y a un truc que j'entends. On peut pirater ça aussi, si vous voulez. Ah, Juliana part en chasse. Mince. Mince, 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 mince. Là, ça m'arrange pas, ça. Là, ça m'arrange... Oh là, là, voilà. Ok, on peut se la faire, on peut se la faire, on peut se la faire, on peut se la faire. Je la vois pas, elle est invisible. Et Juliana, t'es où? Ah, je la vois. Allez, allez. Oula! Oula, elle s'est téléportée. Wouah! Alors, améliorer fugue. Pas mal. Et on va pomper résidium, donc l'effet de fugue dure plus longtemps. D'accord. On va récupérer les breloques. D'accord, d'accord, d'accord. Par contre, j'aimerais bien me refaire une santé là. Si possible. Y a pas quelque chose là que je peux... Peut-être en bas là, je vais regarder. Espérons pas... Oula là, je suis mal, je suis vraiment mal. J'avais pas vu qu'il y avait une mine. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller par là. On va essayer d'aller par là. Là, je suis vraiment très mal en point, en espérant ne pas me faire dégommer. Ok, on arrête ça. Boum. 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 Là, on aurait dû utiliser un module d'invisibilité. Ça aurait été beaucoup plus intéressant.
Mania est en haut. Mania avec précaution, donc là... Donc vert, bleu, rouge, jaune, en espérant ne pas être vu là. Ok, on va essayer de le pirater ça. Voilà. Le mec en haut, il va nous voir. Non, pas encore. Allez, bougez, bougez, bougez. C'est bien. Lui, il va nous voir. Faut qu'on le bute, au moins celui du haut, faut qu'on le bute. Écoutez, on va se faire descendre là comme ça, je vais y faire autrement. Faut que je bute celui d'en haut, c'est obligé. Voilà. On va se refaire une santé d'abord. Et ensuite on revient rapidement. Voilà, donc on se retrouve un peu plus loin. Je suis allé un petit peu récupérer de la santé, j'ai fouillé un petit peu la map pour récupérer de la santé. Et puis j'ai récupéré aussi une tourelle, histoire d'être avantagé. Et puis donc c'est parti, là on va essayer de voir comment un petit peu, essayer de buter ce sniper sans que l'autre nous voit. C'est très important. Il faut tuer celui-là sans que l'autre nous voit. Et l'autre, le problème, c'est qu'il me voit. Comment attirer son attention, lui ? Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose là que je peux utiliser. Alors si je fais ça... Si je fais ça... Ok, ça peut fonctionner. Et là, on peut essayer de l'avoir. Ok, il va me voir, lui. J'essaie de pas manger de viande, mais il n'en a plus depuis un million d'années. Alors, c'est pas un petit morceau qui va changer quoi que ce soit. Ah, c'est vraiment moche, là. Non, 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 non. Alors, vert, bleu, rouge, jaune. Voilà. Et là, on peut se battre tranquillement, même s'il faudrait, j'aimerais récupérer de la vie, mais c'est pas possible. Je vais essayer de récupérer de la vie. On va récupérer notre tourelle, on sera plus avantagé. J'ai pas envie de perdre tous les résidiums que j'ai acquis là. On va faire ça comme ça. Voilà. Oh, il y a quelqu'un. On va faire ça comme ça. Je voulais la balancer, mais j'arrive pas. Lui, par contre, j'aimerais bien le... Voilà, pour éviter qu'il appelle les... Il y en a là-bas.
toi. Faire quoi? Laisse tomber. Ok, Zia est tombée. Non! Mais on peut récupérer notre truc, on peut récupérer, y'a pas de problème. Elle est tombée et on peut récupérer nos. Mais comment il me voit là? Je comprends pas. Allez, foutez-moi la paix, là. Allez, on récupère notre résidium, rapidement. Il nous reste une vie. Ok, cool, 23 000, c'est impeccable. On va récupérer le reste, là, maintenant. Module KO. Ok, elle était là. Alors on va récupérer son arme. Les ennemis touchés par balle soignent et subissent des dégâts au fil du temps. Ah, saignent, pardon. Excuse-moi. Donc saignent et subissent des dégâts au fil du temps. D'accord, ça peut être cool. On va récupérer le flingue. Allez, on récupère toutes les breloques. Et enfin, le module KO. On va le remplacer... on va remplacer celui-là. De toute façon, on l'a déjà infusé. Par contre, on pourra pas utiliser le module Nexus durant toute la journée. C'est un peu dommage. Mais je vais peut-être le remplacer par autre chose. Donc, module KO. Une fois KO équipé, appuyez sur LB pour incarner la brutalité. Vous infligez plus de dégâts et en subirez moins. Voilà, ouais... C'est un peu le mode berserker, quoi. On va essayer quand même d'aller fouiller là-bas son bureau, parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à récupérer. On va voir. C'est bon, il n'y a pas de... J'ai pas raqué une blinde pour me retrouver à devoir faire ça. Ouais. Ok, d'accord. T'as vu quelque chose? J'ai envie de faire une sieste, recharger mes batteries. Boum. C'est Igor qui l'a amené ici, qui répare sa connerie. Ok, il y avait de la vie ici. Bon, c'est pas grave, il nous reste quand même une vie. Alors, il y a toujours quelqu'un qui regarde, forcément. Ouais. L'augure des âges. Il faut la réveiller, c'est quoi ça? Ok, je pense que c'est la chambre de Fia. Enfin, son repère en tout cas. Alors là, on va faire ça. C'est quoi ça? Il y a une mine? Je vois pas la mine. Je vois pas la mine. Ah, c'est le réacteur? Ok. Alors, il n'y a pas une note, quelque chose qu'on puisse utiliser? Non. Ah. Non. C'est des informations sur l'île, ça. Le grand au-delà. On va faire ça. Ah, voilà, il y a une mine. Ok. On va faire ça. Ok, c'est bon. Il y a peut-être une autre. Je regarde imprudemment.
On va récupérer le module, enfin la breloque, pardon. Ah, le minicom. Lu ? Mais non, je l'ai pas lu celui-là. Je pense pas l'avoir lu celui-là. Ok, d'accord. Ouais, ben ces deux bits, on l'avait déjà lu dans. Quand on a infiltré. Alors, il y a quoi ici? Donc, c'est des mines LM qu'on regarde. Ah ben, écoute... Est-ce que ça se casse? Non, ça se casse pas. Donc, elle peut me voir de là, si jamais elle est là, d'accord. À propos des rêves. Ok, Fia note ses rêves bizarres dans son journal, d'accord. Alors, je peux désactiver le réacteur. Bah écoutez, ouais, c'est ça. Donc, fil vert. Alors, fil vert, fil bleu, fil rouge, fil jaune. Il n'y avait même pas besoin de les noter. Un stand de livraison se trouve. Et FIA conserve les plans de son réacteur. Ok. Donc là, c'est bon. Je pense qu'on a... On a fait le tour un petit peu de cette zone. On va aller récupérer, donc... les espèces de d'objets qu'on a au début de la map. En ouvrant les distributeurs. Donc là c'est bon, il n'y a plus grand chose. On va descendre quand même. Est-ce qu'on peut glaner le résidium qu'il y avait dans le réacteur? Je me demande, tiens. Là il y a une mine. Non, on peut pas glaner le résidium qu'il y a là-dedans. C'est pas possible. Ok, breloque, breloque. D'accord. Elle est en train de dormir. Ouais, merde. J'ai fait une connerie. Je sais qu'on peut les activer à distance. Je pensais que c'était une autre. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, là. Allez, on se tire. On va aller ouvrir les tunnels parce qu'ils sont fermés à cause de... Ah ouais, il faut faire ça aussi. On va aller le faire, cela. Son art n'est qu'à gagner. Il faudra aller au complexe, réactiver les générateurs pour pouvoir ouvrir les passages. Très important si on souhaite avancer dans l'histoire. Là, j'essaie de récupérer un maximum de modules. Et puis ensuite, on poursuivra... On poursuivra autrement. Alors, je vais sortir. Vous voyez, quand il y a des trucs comme ça, il suffit juste de les pirater, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Juste d'aller pirater. Alors, j'ai pas envie de sortir par là parce que j'ai peur de me faire avoir. On va revenir sur nos pas. D'où l'utilité de... Mince. Voilà. D'avoir la téléportation. Je trouve qu'elle est plus importante que tout, hein, la téléportation. Oula! Mais ils étaient pas là, eux! What? Ils étaient pas là! Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ouais, si on avait eu notre truc, là, on aurait pu les avoir tous les deux, mais bon, c'est pas grave, on va faire boum. On a une rapière ou pas? Ouais, ouais! Non, c'est pas Colt, c'est pas Colt. Là, il y a quelque chose, c'est la nôtre? Ouais, c'est la nôtre. J'arrive pas à les voir! J'ai pas de vie là. Ouais, ouais. Attends, j'arrive. Là, il y en a une. Pause de transmission là, faire attention. On va essayer notre nouveau pouvoir, tiens.
est stylé. Hein. Wouah! On peut avoir de la vie là un peu. Pourquoi il y a une mine? Il y avait une mine? J'ai pas vu la mine. On peut continuer à augmenter sa vie, hein, y a pas de problème. Impeccable. Et là, on peut revenir. Ça, on l'a déjà vu, ouais. Faire attention là. Non, c'est pas Colt, t'inquiète pas. Ou si, c'est Colt. Là, pareil, on va faire ça. Ah, ils sont quatre quand même. Hein. What? Et ils sont trop forts là! Le pouvoir il a servi à rien! Bon. KO, mais Ok, c'est bon. Allez, on va essayer de voir ce qu'il y a ici. Donc le delivery, si je me rappelle bien du code. Donc 6, 7, 2, 4. On va essayer. Donc 6, 7. Pardon. Donc 6, 7, 2, 4. Impeccable. Terminal de 100 de livraison. Alors le code de 100 de livraison. Je sais pas ce que ça fait. On va regarder. Là, on a une info. Alors, le camp de 100 de livraison, Fry, sous le gigantesque panneau Eon, près de mon tunnel de rocher de Freestad. Ok, d'accord. Ok, donc on a... Qu'est-ce que ça fait exactement? Sectionnez la destination de votre commande. Le complexe, par exemple. Batterie, manivelle, suppresseur, tourelle. Batterie, manivelle, suppresseur, tourelle. Partir. Ok, et là, à ce moment-là, il va nous envoyer la batterie. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. On va faire ça. Allez, on va se tirer. Parfait. Donc, on est mort une fois. On a tué donc Fia, Juliana, on est mort une fois, bon c'est pas grave. L'important c'est de réussir à s'en sortir avec les devis qu'on a. On a récupéré donc un module de chaos, pas mal de... Ouais, on a récupéré ça aussi, pas mal de breloques. On va continuer. On va passer en après-midi. Ouais, bah écoutez, on a aussi pas mal de choses à faire là. On va voir les breloques là. Alors là, je suppose que ça va parler des distributeurs. Ouais. Et là aussi, c'est pareil, ça parle des distributeurs. Ok.
Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous montrer avant de nous quitter un petit peu tout ce qu'on a gladé. On a 34 250 résidium. On peut infuser plusieurs armes ou plusieurs modules qu'on a récupérés. On va commencer par celui-ci. Donc l'effet fugue dure plus longtemps, ça c'est pas mal. On va l'infuser. Hop. On va infuser aussi les modules pour pas qu'on les perde, le chaos. Même si finalement c'est pas si intéressant, il offre pas tant de résistance que ça. Mais je vais quand même l'infuser. Et puis au niveau des armes, non, il y a rien de particulier. Et au niveau des breloques, ben, on verra ça à la fin de la journée, parce qu'en général j'essaye d'attendre la fin de la journée pour avoir un maximum de résidium et savoir quoi prendre. Et quoi laisser. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au jeu, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.